On est d'accord que les persos qui sont en L peuvent pas attaquer au corps à corps. Enfin, ils peuvent pas attaquer quand ils sont en première ligne. Ça fait chier, ça. On va voir s'ils peuvent pas attaquer en L s'ils sont en première ligne, en fait, je me pose la question. Ah, ce qu'ils vont en vitesse d'attaque. Victor a une animation relativement rapide, pas en coup double mon ami, pas en coup double. Parce qu'il saute, il attaque, il revient, il saute, il attaque, il revient, et s'il a assez de technique, il saute, il attaque, il revient. Ça prend des plombes. Moi ce que je veux... Voilà, ça c'est rapide. Merci. Et ils peuvent attaquer au cac. Ok. Téléport. Les L peuvent attaquer au cac. Donc Fouch est trop lent. On a que 4 archers, hein, il me semble. Enfin, on n'a pas d'autres archers que Aida, Stallion et Kinison. Alors, elle a Tengar, mais elle balance un couteau, c'est de la merde. Ailey et Rina, je m'en fous un peu des sœurs. Touta, oui, le caillou! Le caillou! Millie, elle a son cochon, on s'en fout. Lui, il balance un couteau, ça va vite. Après, il y a Meg, elle balance un poignard, ça dit. Après, il y a Lowen et Sasuke, comète bleue. D'accord, il balance un shuriken, ok. Ah, il a plus de niveau, mais plus de technique. Ouais, Lowen est meilleur, mais elle a 10 levels de plus en même temps, c'est normal. Oh, il y a Simone! On avait oublié Simone! Simone, c'est un peu imbloquable. Hein. Mais est-ce que Simone attaque plus vite que... On va faire des tests. On sait que Clive, Stallion et Aida, ils attaquent vite. Donc on va les ranger. On va faire un concours, on va bien voir. Lowen, Sasuke. Meg, voilà. Chilo, ouais, on va tester. C'est moi partir. J'ai personne dans la perso avec des runes des vents, mais c'est comme tu le sens, on s'en bat les couilles. Ah, parfait ça, ok.
Voyons voir les attaques. Ok. Alors d'accord, elle est éliminée direct, elle met 3 ans. Ok, elle met du temps, elle. Ok, donc pour l'instant, on n'a pas eu Simone à cause du zoom. Mais Lowen, là, la Hawaii de je sais pas quoi, éliminato. Elle met 1000 ans. C'est quoi la rune vent supérieure, s'il y en a une? Ouais, il touche multi! Ah non, attends. Ah, j'ai même pas vu le gars envoyer son couteau, du coup. Il leur crache dessus, c'est OP! C'est OP, la Kyra, la Kyra. Par contre, elle a un unir, la gamine. On va voir ce qu'elle fait. Ah non. Il n'y a pas de ruiné là où j'ai vu. De la merde. Ok, très bien. Ok, let's go, les mecs. Let's go, let's go, let's go. On a une team. On a une team qui s'appelle la team Purge. Tu vas voir. C'est la team Polton d'exécution. Clive! Kinison, Aida, et enfin, il est où Speedman? Stallion. Je suis allé dans la double batte, et maintenant pour être double batte, je n'ai aucune double batte. Je peux faire ce que je veux, ok. En premier lieu, qui aura le plus de défense? On verra bien. On fera la formation comme on pourra. Pardon? Ah ouais, le drive-by des enfers. Tout le monde aura double batte. Hein. Bra bra bra! Conste ta mère, thune! Ta mère a pas thune! Chez! Ah, ça va être fantastique. Hein. Thank you.
Oups. En passage, j'ai trois pots. J'aimerais les faire identifier. Écoute, Xehanort, tu m'identifies tout ça, s'il te plaît? Tu me dis que c'est de la merde. De l'urne, super. Une urne, celle-là, donc ça vaut des thunes, ça. Une celle-là, donc. Une celle-là, donc pas mal! Pas mal, pas mal. Meuf! Alors, il faut voir. Je retire la double batte à Rio. Parce qu'il prend vraiment trop de temps, ça me gave. Voilà. Je retire le Milan à cette débile. Voilà, à Chilo. Et je lui installe le double batte. Ensuite, je retire obscurité à Clive. Bat. Très bien. Je retire le double bat à Sheena. C'est vraiment un perso useless. Merci. J'installe le double bat à Clive. J'installe le vent à Io. Voilà. Je mets à jour tout ce petit monde. Voilà, merci Padraig, et merci, merci Pyrolaine d'avoir saucé depuis le début. Ah, j'ai plus d'argent! Oh non! Et bon! C'est rectifié. Pas de problème. Ok. Désirons-nous.
Voilà. Non, je me suis trompé. Ok. Viculto, où est le meilleur endroit où je peux pexer? À Tinto, ça forge à Tinto? D'accord, des Tintos avec les zombies. Good. Putain, avec cette équipe, on va les lapider, j'ose espérer. Enfin, me gérer la mine de cette ville. Ok. Très bien. Ça, c'est l'armure. Est-ce qu'ils vendent des meilleures armures que chez moi? C'est possible. On ne sait jamais. Alors déjà, objet rare. Chapeau du vent. Résiste au vent. Pas mal. Une tunique. Ok. Non, d'accord. Mon magasin s'est mis à jour au niveau du magasin de la meilleure ville, c'est super. Ah, ça a forgé dur, hein, par contre. Le fait qu'il soit level 5, ça prend un certain temps. C'est un processus, hein. Il vient de là ce sound effect, le coin? Ouais. Arc de rangée, très bien. Je sais que ça prend du temps, hein, c'est un setup. Hein.
Whipbat, un autre type de double bat en stock qui traîne un truc comme dégâts donne et reçu x2. Putain, t'as raison, j'avais oublié ça. J'avais oublié ça. Après, c'est dangereux aussi. Hein. Il va falloir que je pisse. Au secours, ma vessie est ultra pleine. Genre mourir. Ah. Étant donné qu'une femme ne soit jamais visée. Ah oui, avec le bon item, Selzer. Mais bon. Retirez déjà, qu'est-ce qu'ils ont comme truc? Shiloh, tu as poison, viens-moi ça. Incrusté, alors. J'ai vent et poison, d'accord. Joseph. Le ruban bleu, je crois. Ouais, c'est vrai. Mais en même temps, si l'ennemi fait une attaque de zone, c'est finito, tu vois. Alors, attaque. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas le bon level. La grotte des zombies. La grotte de Bombi le zombie, c'est par où? Des mobs là-dedans, là. Putain, quand ils vont être levelés. Miam, miam. Ça va être une boucherie. Une George W. boucherie, quoi. Let's go. Ah, ils en chient parce qu'ils les tuent pas d'un coup pour l'instant. Ah, il est bloqué. Ah, par contre, Shiro, pourquoi tu regagnes des PV? Ça m'énerve, ça. 42 d'un coup. Pourquoi tu regagnes du PV, Shiro? Qu'est-ce qui se passe? Ah, la robe de maître. Trop de perte de temps, sinon. Armure de daron. Il va falloir mettre Scalion devant, en fait. Mission. C'est le chapeau d'argent, non? Non, c'est l'armure de maître. Ah merde, je suis HP, chier. On soigne des HP s'il en a perdu. En vrai. Ça brasse, hein. Thank you.
ce rythme-là? Ce petit rythme de progression? Alors, force, Ryo, défense 218, 163, 170, 177, 171, 160. Ok, à peu près pareil. Il faut que Kinison y soit devant. Il a débloqué un nouvel emplacement. Emplacement vent et vent, c'est super. Sans... Voilà, et là on a une vraie équipe. T'as un perso qui a une rue avancée devant, lequel? Ah merde, je voulais pas monter, non! Non! C'est quoi le nom de la rune avancée devant? Ouh! 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 Pulvère! Cyclone, ok. Allez, encore 2-3 comme ça. Merci Tenkaio. Ah, il a raté. Ah lol. Et un petit dernier. Ah oui, j'ai une rune d'avancée de chaque, mais je peux pas l'enlever de certains persos. Unir! Ah, il peut faire des doubles à l'arc! Lol! Y'a pas des triples attaques à l'arc? De feu, lol. Ouais. Les angles de tir où je snap, ça, j'avoue. En plus, il me fait plaisir, Lenny. Arrive, t'as écrit schnapps correctement, si tu veux. C'est lent. Oh, mon chemin, putain. Seulement on pouvait mettre le jeu en pause. Je vais profiter de la musique de l'Overworld. Au moins ça, au moins ça. Ah, oh, je vais pisser dessus. J'arrive. À tout de suite.
Ah, c'était la gigapisse. Mais là, c'était full chat, mon gars. Et tu sais, c'est quand ça s'arrête plus. Où étais-je? Que faisais-je? Ouah, ça se roule des... Mais c'est un chien! Bon, ok. L'amour n'a pas de frontières. Vite! Appelez Max! Vent Anna! Miam! Oui, voilà. On veut que des infos sur les meufs! Tout le reste, tout le monde s'en bat les couilles. Attends, ouais, attends. I got this. Let's go! Let's go! Hey, y a quelqu'un? Oui, monsieur. Vraiment désolé, vous voulez déjeuner? Non, je sais que le chef est ici. Je veux le voir. Dites-lui que Resto est ici. Vous êtes un ami de Hayo? Attendez-le une minute. Dépêchez-vous! Mais qu'est-ce que tu me dis, la putain de garbat? Mais qu'y a-t-il? J'arrive en courant! Cela fait bien longtemps, sérieux. C'est vrai, j'oubliais, tu te fais appeler Hayo. Resto! Tu sais pourquoi je suis ici? Pour me défier dans un concours de cuisine! C'est cela. Il ne peut pas y avoir de secrets entre chefs. Pour nous, la seule vérité, c'est ce qu'il y a dans l'assiette. Je savais que ce jour viendrait. Je savais qu'un jour, toi et moi, nous nous batterions à la spatoule. Il a l'air fort, Ayo. Je l'ai toujours admiré et respecté comme un chef véritablement formidable. Et bienvenue dans nos choix respectueux et respectables des décisions désastreuses de notre vie. Je serai votre hôte, Futan Chen. Tout d'abord, le jury. Il vit dans le château avec son grand frère. C'est un clodo, c'est un pêcheur, gitan à ses heures. La cuisine japonaise est sa seule vie car il n'a pas d'argent, ni de famille, pas d'espoir, pas de futur et qu'une coiffure ridicule, Yaku. Ici, la femme dont beaucoup disent qu'elle est beaucoup bien pour beaucoup trop bien pour frites. Elle est japonaise jusqu'au bout des poils. Yoshino. Mes sources disent que Fitcher a une faiblesse pour les bonbons, mais qu'il a aussi du diabète. Applaudissements.
recette. Et enfin, les personnages les plus étranges et les plus bizarres de Talitaire. Il était déjà venu, mais est revenu picoré de votre assiette. Il est là pour voler vos enfants et violer vos femmes. Ou l'inverse, il dévorera tout, et surtout les cœurs des enfants, Sid. Merci. Ces quatre juges vont évaluer les plats d'aujourd'hui. Et le challenger! Le challenger est un frimeur absolu et un sac à merde! Resto de Bianco! Et bien sûr, notre chef que vous aimez tous, le ritalien de l'Italie, le chef des chefs, le grand maître de la cuisine, l'homme qui ose pénétrer là où aucun homme n'ose pénétrer, dans le territoire le plus profond des femmes, au fond des chattes, de vos cœurs et des frigos. Aïe! Bon, battez-vous! Ok. Dernière fois, on avait appris quoi? On a appris le tonkatsu. Viande et pommes de terre, porc gingembre, sauce soja, côtelette à la crème et côtelette épicée. Bento sashimi en ouverture. Ramène à la sauce soja. Boulette de poisson sweet and sour. Ça flex, hein. Alors, on note. Tout d'abord, le challenger des gâteaux épinards. Ah oui. Ah ouais. D'accord. Ok. Et un bento sashimi. D'accord. Gros fan de cuisine japonaise, fils de pute, hein. Du sashimi combo. Ah oui. Ramène à la sauce soja. Le ginger beef bun. Mais impossible, vous aimiez ça! D'accord, c'est scripté. C'est scripté. Et enfin,
du poisson sucré et amer. Ok. J'ai 100% visé leur goût, ils s'en battent les couilles. Score parfait. Ouais. Bon. Scripté. C'est l'heure de nous quitter et je prends mon chèque. Merci pour l'argent. Dommage, Hayo, mais en cuisine, tu n'es pas de taille face à moi. Elle a pris la recette de l'oiseau lune. Mais attendez une minute, resto, tu ne peux pas donner la recette de l'oiseau lune au seigneur Jinkai. Mais écoute-moi. Pourquoi t'écouterais-je? Tu as tué ma fille, Shun Ming, et volé les secrets du groupe du dragon noir. Je n'ai plus à t'écouter. Mais tu te trompes. Menteur, n'essaie pas de te moquer de moi. Resto sait reconnaître un mensonge. Attendez une seconde, vieil idiot, écoute au moins ce qu'il a à dire. C'est juste, pourquoi pas? Oui, de l'impolitesse pure et simple. Ayo te le demande du fond du cœur. Mais, les amis, vous êtes... Très bien, Ayo, parle, mais fais vite. Resto, Jinkai veut utiliser cette recette pour exécuter un plan maléfique. Chunmin le savait, elle a voulu l'en empêcher, elle m'a donné la recette pour que j'y la cache. Elle a donné sa vie pour l'en empêcher, c'est pour ça que tu ne dois pas. Non, Hayo, je ne crois pas que Jinkai soit un homme ainsi. Resto! Mais je n'y pas non plus que tout ce que tu dis a l'air faux. Je te donnerai une chance, Hayo. Avant de retrouver le seigneur Jinkai, je reviendrai ici encore une fois. En attendant, essaie donc de devenir un meilleur chef que moi. Un meilleur chef que Resto? Mais c'est impossible! C'est ouf, hein. Ce degré de l'or, il est incroyable. Alors, qui a Cyclone? Ah, Nina, elle a Cyclone. Attends, avant ça, qui a la plus grosse magie? Magie 127. Ouais, ok. Le bouclier de lumière, il peut pas être un caster en plus. Écoutez, je vais retourner au truc de stock et voir les runes que j'ai. Mes excuses, hein.
T'as vivement qu'on puisse accéder à tout ceci via un seul et unique menu plutôt que de courir partout comme un débile. Et la limite d'inventaire, mais quelle connerie! Tellement chiant. Alors, terre nourricière. Je vois coup double, hein, mais c'est dangereux. Ça. Donc dans mon équipe. Magie. 86, 88 et 86. D'accord. Oui, mais il a qu'un seul emplacement. Lui aussi. Donc, malheureusement, les sorciers, à part Kinison, donc Kinison mérite et elle pourrait avoir un rang simple. Ok. Est-ce que alerte ça m'endort? Genre ça fait comme Sid, tu sais, qui dort à cause de sa rune. Parce que passer SSJ gratuit. C'est la furie pour mage. Ah merde. Ah. Bon, écoute. Une magie de vent simple. On verra bien. Voilà. On verra bien. On verra bien ce que ça donne. Ok. J'avoue ne pas savoir pour alerte. Ah, ok, on va le mettre. On va le mettre, on va le mettre. Je vire la magie devant. Et je mets alerte sur Ryu. Let's go! Ryu, il dort! Ensuite, au passage. Ah non, ça va. Ok! Alors, croyez-le pas, mais on est prêt. Donc, il faut qu'on se téléporte où? Une île ?
Peut-être. Ok, bah, let's go. Ah ouais, d'accord, ouais, ils sont énervés. Ok. Ok. On est prêt à les malaxer, mon frère. Regarde-les. Regarde-les. Regarde-les, ils ont l'air hostiles. Oui, ils ont l'air hostiles. Ils sont pas morts. Bateau joué, hey! Grand variage sur les groupes de Highland. Bottes de fer, unique endroit pour en avoir. Ça vaut le coup? Ok. Les niveaux montent. Ah d'accord. C'est l'endroit pour en avoir, c'est ça que tu disais. Activation des cheat codes, enemy always drop 1, let's go. Ouch! Casque complet. C'est peut-être l'objet 2 alors. Peut-être l'objet 2. J'ai rien gagné du tout. D'accord, donc c'est soit l'un, soit rien du tout. Ok, ils ont qu'un objet, en fait, faut que ça tombe. D'accord. Très bien, j'ai rien dit, mes excuses. Tu le lances en premier, c'est lui le drop. Ah, d'accord.
Oh, il s'est fait waouh. Botte de fer, let's go. Je cherche, je vois pas. Ah, défense plus 15. Oh! Effectivement, c'est moche. Les gants power sont bien meilleurs, mais... Après, bon... Ils ont combien de PV? Il y a que ce soldat qui en drop et après les événements actuels il disparaît. Ok, fair enough. Botte elle est super. La blonde a 3 drops de runes, je sais pas si elles sont bonnes. Oh, la pixie, je pense pas que ce soit top. 14 défense et plus de vitesse. Vous savez combien de vitesse, vous 147, 140, 139, 177. Oui, trop rapide. 110, c'est un peu bas pour Shiloh, ouais. Mais il a plein de force aussi. Ouais, mais voilà. Boîte télé, c'est bien, ouais. Allez, vendu. Pierre d'habileté, cool. D'ailleurs, à ce propos, depuis le temps que j'ai ça. Voilà. Voilà. Ok, mes excuses. Voilà. Goutte de la gorge, très bien. Il y a un drop de recette sur les deux Rémi, merde. Ok. Oh la balle! L'esquive! Quel régal ces combats qui vont vite, putain. Recette peut être récup plus tard si besoin, ok.
Ah, et là, tu m'as dit... Cette meuf, elle a plusieurs drops de runes. On ne sait pas si c'est des bonnes ou quoi que ce soit. Donc, on désactive, on drop 2, on sauvegarde, on lance. Voilà. Et on essaie de la battre en première. Voilà. Combien de PV ces trucs? Ils meurent jamais! Eh ben! Veille! Ok. Pixie, longue portée pour bâton. Veille, endort en premier, se réveille déchaîné, d'accord? Et nymphe, ok. Dryade, ok. Par contre, du coup, c'est un labyrinthe ici. Oh. Ok. Ok, allons-y. On est full? Comment ça se passe? Ouais, ouais, on est good. Merci, Raptor Troll. Je vous attendais, Ryo. Et vous, madame, vous êtes Teresa? Je vais terminer cette affaire tout de suite. Mais vous êtes... La fille de Quinoa, chef de la tribu Karaya. Je m'appelle Lucia. Elle me rattaque. Cute. Bon ben. Regardez mes grosses attaques, hein. Bouc ! On a pris une, c'est gratuit en plus. Ouch ! Il s'est fait cracher dessus. En vrai, c'était trop cette attaque. J'aurais pas dû. Elle a deux attaques. Mais madame, ça prétend. Ça se permet. Allez, j'ai attaqué, donc tout le monde attaque d'abord avant toi, ma belle. Et ouais. Ouh! 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 Ah! Brrr.
Tout va bien, tout va bien. Paniquez pas, les gars, paniquez pas. I got this. Combien de PV là? Ouch! Ah! Je suis à SSJ. Super Saiyan Blue, Super Saiyan. Tout le monde est fou furieux. Bouc. Petite flash à 210, vanille. Petit fusil. Petite esquive. Et voilà. Bon, pas mal. Porte bleue, cool. Zout. Pourquoi vous prenez-vous pour des, nous prenez-vous pour des ennemis? Vous dites, femme de Green Hill, je n'aurais jamais cru entendre de telles paroles de votre part. Mais qu'est-ce que vous racontez là? Nous autres peuples de Karaya avons été entraînés par vous dans un nombre incalculable de guerres et avons toujours été opprimés. Et jusqu'alors que juste alors que des loueurs d'harmonie étaient en vue, votre père, Alec et Gorudo de Matilda, ont empoisonné mon père lors du conseil de paix. Ils l'ont assassiné. Ils ont dû penser que le successeur étant une fille, ils pourraient nous contrôler à leur guise. Quelle idée folle. À Karaya, tous sont des guerriers, hommes, femmes, peu importe. Mon père a fait ça? Je comprends. Quand cette guerre sera finie, j'ouvrirai une enquête. Si vos allégations sont vraies, je vous jure que le crime de mon père sera reconnu et que vous en recevrez la compensation. Pour l'instant, je vous demande de nous croire. Lord Ryo est différent de mon père et des dirigeants passés de l'Alliance. Je vous demande de nous regarder, lutter, et ensuite vous déciderez. Je suis Vanku, et je ne pourrai pas vous arrêter. Dépêchons-nous. Dépêchons-nous, mais je suis perdu en attendant, meuf. On va rater un coffre, c'était au nord, c'est ça? Ok. Parce que là... il est déjà vide. Mais on est déjà passé par cette forêt à la con? Ah, vous claquez tous vos points, hein, d'accord. Juste en dessous de ta safe state. Ah oui. Bien vu. Soulier orteil.
Mais c'est de la merde! Oh. Fine. Ok. Ok. 22h bientôt, je vais devoir m'arrêter, brave Jean. Voilà. On abat tous ces minables. C'est double esquive. T'en faire. Voilà. Là. Nous y sommes. Comment ils sont passés dans le dos? Oh, c'est tellement humiliant en vrai. Il s'était planqué sous le lit, j'imagine. Je suis perdu. Je veux sortir. Voilà de l'argent, partez. Ah, les forêts. Les forêts dans Suikoden, c'est quand même le donjon qui revient le plus souvent. C'est assez non original, je tiens à dire. Il a de gros défauts, ce jeu, faut pas déconner. Après, c'est fun. Les forêts et les cavernes. J'avoue, c'est un truc, ça revient très souvent. Enfin. Là. Donc ça, c'est l'académie. Mais est-ce qu'on peut faire un petit meurtre? Non? Personne, ok. Merci le chat. Rio, voulez-vous réécrire quelque chose ici? Comment ça, écrire quelque chose? Ouais, ok, ouais. Ah! Voilà. Vous êtes fatigué, reposez-vous. Merci!
Putain. Allons-y. Juste un combat ? Ah, juste un combat. Dites-moi qu'on approche quand même, hein. Ah, il le bute d'abord, on n'aura pas le loup. Il est 22h, je sais, j'ai le temps, rassurez-vous. J'aimerais au moins voir... Ah, voilà, merci, enfin, on y est. Lord Rio, soyez prudent. Ah. Un chevalier d'Hadès? Vous êtes Rio, porteur de la véritable rune, enfant de Satan. Patron de la haine, maître du cauchemar. Mon serviteur, je vous incite de votre royaume obscur à détruire complètement ce garçon. Ah! Yeah, ok! Déjà dans le museau. Belle esquive. Ah ouais. Combien de PV ce machin? Ah! Petite météorite! PV, ça va, ça se gère. SSJ déjà. Voilà, très bien pour les gens qui comptent. Déjà, un petit 200, un petit 300. Petite protection magique suprême, nec plus ultra, il n'attaque qu'une fois le dragon. Boum. 10 000. Allez.
10 000. Ah bah bravo, super, bien joué, félicitations. Grosse attaque, hein. Regarde, en attendant. Il y a déjà la terre nourricière, donc on est déjà bien défendu. Allez, il est finito. Allez, c'est finito ça. Il y a un autre combat derrière. Ouais, ça sert à rien, mais bon, je le fais. Ah bah voilà. Il vaut rien. Équipe improbable. On l'a eu! Regardez, les soldats de Highland s'enfuient! Mon pouvoir n'est pas approprié encore une fois à Ryo, porteur de la vraie rune. Vous allez voir qu'il n'est pas facile d'exterminer les feux de la guerre. Bien joué, Lord Ryo! Lady Teresa, vous êtes enfin revenue dans notre camp. Regardez, Lady Teresa a tenu promesse, comme je l'avais dit. Bien sûr. Lady Teresa est de retour. Green Hill est revenu à la normale. Lady Teresa. Seigneur Ryo, un message de Shui. Demande de revenir au château Talitaire plus tôt possible. Je ne comprends pas, mais ça doit être important. Pour l'instant, nous n'allons pas laisser une unité ici pour protéger Green Hill. Rentrons au château. Oui. Seigneur Ryo, mauvaise nouvelle. Les chevaliers de Mathilda ont capitulé devant Highland. Quoi ? Pendant que nous attaquions Green Hill ? Oui, pendant que nous envoyons des troupes à Green Hill, l'armée de Highland a envahi leur domaine avec 2/3 de leur armée. Mais Joey, Kulgan et Sid étaient tous là à la frontière, pourquoi ils ont... Les généraux n'étaient qu'un leurre, presque tous les soldats sont dirigés vers Mathilda, très fort. Léon Silverberg, le stratège, a conduit l'armée de Highland tout seul contre Mathilda. Gerudo n'a pas été long à offrir la paix. Officiellement, les chevaliers restent indépendants en retour de leur aide à Highland. En réalité, ce sont des pantins. Au diable, ceux de Gorugo! Oh, Gerudo, où est son honneur de chevalier? Comment a-t-il pu se laisser humilier comme ça? Ryo, Shu, attaquons Muse tout de suite. Le gros de l'armée de Highland est toujours à Mathilda et même s'ils reviennent, ils seront fatigués de la marche. Qu'en pensez-vous, Shu? Parce que moi, j'entends l'opinion d'une femme. Je crois que ça vaut la peine d'essayer. Ryo sera général avec Hauser comme lieutenant. Votre stratège sera Apple avec Klaus comme second. Avec ça comme base, ça devrait être facile d'attaquer Moose. À choix 1. Laissez-moi y réfléchir un peu. Vous êtes fatigué, mais devez vous décider vite. Un retard peut faire la différence entre la victoire et la défaite. Choix 1 selon Viculdo. Excellent. Dis-nous globalement ce qu'on devra faire et parce qu'on va s'arrêter là. Prépare-le pour la prochaine fois si tu veux. Ou un s'il vous plaît.
Je vous confie Koyu, il n'est pas intelligent, mais il est mignon quand même. Lowen. Tu sers à rien. Tout le monde ici est si gentil, c'est un plaisir de laver leur linge. Yoshino. J'ai vu un ensemble de fenêtres à Green Hill, je me demande ce qu'il est devenu. Tenku. Salut Tyr, j'écrirai davantage plus tard. Au revoir. Ta Vicky. Oh. Avant de continuer, il y a les 8 derniers persos à recruter. Excellent véhicule d'eau. Et bah parfait, on va sauvegarder et s'arrêter là. Et on fera une grosse session de recrutement. Voilà. Dimanche prochain ? Probablement non. Peut-être milieu de la semaine. On verra bien. On verra bien selon ce que ça se fait. Je tweeterai pour du Suikoden et j'essaierai de le tweeter en avance. Histoire du coup, les gens sachent que nous sachions. Tu pues du cul ! Il vaut rien. T'es de la merde ! Le visage du diable ! Et c'est ainsi qu'il niqua Nanami. Voilà. Très bien. Et ben je coupe là. Je vous fais des bisous. Je m'enfuis lâchement. Et je vous dis à la prochaine. Mardi pas dispo, soit lundi ou mercredi, car JDR pour ma part. Ok, pas de soucis. Je vous dis à la prochaine. Des bisous. Hop. Partez pas, je vous envoie en raid. Plume sur Schneck.